ni aucune chose à reprendre, parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Daniel, serviteur bon Dieu, était passé environ 70 ans dans Babylone. Et en tant que responsable de une administration qui était dans Mélie, je dis nous, Daniel, ce n'est pas une méthodologie spéciale que le dégagnait, ce n'est pas une méthode de travail que le dégagnait, mais c'est que l'idée fidèle, premièrement. Regardez quatre éléments importants de la vie de Daniel, nous avons partagé. Premièrement, l'idée honnête. Amen. Deuxièmement, je dis non, l'idée gagnait un caractère solide. L'idée gagnait, troisièmement, la foi dans mon Dieu. Et en fin de compte, l'idée fidèle. L'idée fidèle. La Bible dit que Daniel était trouvé dans Babylone parce que il était mené en captivité. Et là, dans Babylone, lorsque le fait est arrivé, il était choisi, lui, ensemble avec trois autres amis, lui, pour être capable de manger, eh bien, les mets, les nourritures que le roi babylonien a mangé. Mais bien avant que il était pas le privilège, ça, il était maintenant fait l'école avec Daniel et Zambilio. Comprendre que Daniel soutient en Israël, dans Samarie, en Israël. Eh bien, Daniel, tu as besoin de connaître les coutumes et les traditions de Babylone. Il t'a enseigné les lois babyloniennes, les traditions de Babylone, de sorte que pour être capable d'accoutumer, pour être capable de faire bagaille aux gens, tout le monde dans Babylone t'a fait. Mais le fait que Daniel ait gagné un caractère solide, pas rien qui était arrivé influencer Daniel négativement. Est-ce que nous l'avons? Égal, les autres enseignés Daniel, les lois de Babylone, c'est une façon pour que Daniel soit capable de changer et pour être capable d'avoir tout ça qu'a fait dans Babylone. Mais heureusement pour Daniel, dès son enfance, dès son jeune âge, l'idée a des connaissances de la parole de l'Éternel des armées. Ouais, c'est ça que la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les leçons apprises à en Israël, ou bien à Samarie en Israël, étaient intactes dans la vie de Daniel. Ça a déformé le caractère, lui, au point que le grand caractère solide et en rien de négatif pas qu'à influencer, lui. Regarde, nous apprécier Daniel. C'est pas même genre, peut-être avec certains frères haïtiens qui l'ont sorti en Haïti, ils ont entré aux États-Unis, et bien, ils viennent prendre, ils viennent apprendre une bonne coutume, tradition, pays, et ils ont pas voulu vivre, genre, autrefois. Mais Daniel, en tant que citoyen du royaume de Dieu, il déconnait le roi de son Dieu. Il n'est pas d'accord pour que rien n'ait influencé. Est-ce que nous l'avons fait, mes amis? Rien. Les enseignements reçus à Babylone, les traditions babyloniennes, pas qu'à influencer. Au point que le Daniel, chapitre 1er, dit nous comme ça, Daniel, chapitre 1er, puisque rien pas de influence, Daniel dit non. Il prend résolution. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des ennemis de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Et puisque Daniel avait appris les lois de son Dieu, de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, il était arrivé à Babylone, il était pas quitté un lien influent. Influencer la vie, lui, au point que lui résolu, lui prend détermination
pour que, eh bien, pour que il dit non, pour ne pas souiller lui par les mains du roi. Non seulement Daniel ne voulait pas se laisser souiller par les mains du roi, physiquement parlant, mais au point de vue spirituel, Daniel n'a pas été souillé par un yé qu'a fait dans Babylone. Il n'est pas d'accord pour vivre dans l'immoralité. Il n'est pas d'accord pour vivre dans la corruption. Il n'est pas d'accord pour vivre dans le vol, dans le mensonge. Mais puisque Daniel était honnête, il devait, pour être honnête, quel que soit côté le passé. Amen, bien-aimé. Il était honnête en Israël. Il vivait dans Babylone. Il était honnête. Il était un caractère solide, côté que le monde n'a pas influencé lui dans Samarie ou bien en Israël. Il est arrivé dans Babylone, il était le même caractère solide ça. Un yen pas qu'à influencer. Amen. Amen. Et quand tu dis, les gens comptent bon Dieu et vont vivre pour bon Dieu, c'est seule parole bon Dieu qui influencer la vie. Mais un yen dans le monde là, pas supposé influencer. Je dis, ça fait la peine pour que quelqu'un comme dans l'église qui dit aux c'est chrétien, n'importe pas qui vient dans le monde là influencer. Modèle rad, ton bon bagaille influencer, on peut faire folie pour eux. Mais la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Daniel, à Babylone, pas quitter un lien influencé lui, au point que lui prend détermination et décision pour ne pas souiller en lui. Amen, bien-aimé. Et là, non seulement Daniel savait qu'il était un col pour le protéger, mais il te connaît tout le monde, non, ni pour le protéger. Il n'est pas qu'à souiller, non, ni avec le péché. Il n'est pas qu'à souiller, non, ni la vivre dans la corruption, dans le mensonge, dans le vieux bagaille qui l'aide. Et puis Daniel, il était d'accord pour le vivre d'une manière honnête. Est-ce que nous là, hein? Les gars chrétiens, quel que soit côté lié, il a besoin de prendre une décision pour le faire bon Dieu plaisir. Ou capable pas contre 100 millions, pas contre 100 millions, ou pas dans le pays, mais quel que soit côté lié, bon Dieu, ouais. Amen. Il a besoin de prendre détermination pour vivre, pour bon Dieu ça. Parce que les roues engagées, les bagailles ont mal, les bien-aimés, les docteurs pas qu'à faire un rien, les présidents pas qu'à faire un rien, les premiers ministres pas qu'à faire un rien, aucun infirmière pas qu'à faire un rien. C'est seul bon Dieu qui a fait qui choy. Et c'est pour raison ça, nous avons besoin de rester côté lui. Amen, bien-aimés. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Il était honnête. Ça veut dire qu'il était sérieux. Est-ce que nous là, hein? Et le chrétien a besoin, quel que soit côté le passé, pour le montrer qu'il c'est un monde qui est honnête, un monde qui est sérieux, un monde qui est sincère. Amen. Un monde qui ne vit pas dans le mensonge. Un monde qui n'est pas hypocrite. Amen, bien-aimé. Je dis à. Bagaille au grave en pile, et c'est ça qui fait bon Dieu obligé de temps en temps quitter fléau, attaquer quelques monde, malgré certaines fois que y a un non bon Dieu dans la bouche, mais qui te dit, monde ça qui est sincère avec mon Dieu, qui est honnête, qui est sérieux, quel que soit fléau à pas t'atteindre, parce que bon Dieu a couvert lui. Amen. Je ne songeais pas trop longtemps. Pendant que nous étions dans Gonaïve, il y a un servant qui était venu par révélation ça, et que nous te connaissons déjà. Mon Dieu dit qu'il y a une épidémie pour tout le monde en Haïti. Mais il dit mon palio pas besoin de peur, parce que mon parapluie dans le ciel là m'a couvri avec ma brisa. Amen, bien-aimé. Ça rejoint l'idée que la Bible dit l'ange de l'Éternel comme autour de ceux qui le fait et les arrache au danger. Les où mon avis va mon Dieu, ou honnête, ça veut dire ou sérieux, ou sincère, ou marcher droit, ou respecter volonté mon Dieu, ou respecter parole mon Dieu, ou qu'aimer la foi. Amen.
Dernièrement, nous avons ça déjà, nous avons serviteurs de Dieu, il dit parole, ça y est. Les nous qui ont la foi, nous avons besoin de poser gros action pour nous montrer nous qui ont la foi. Mon qui a la foi, pas qu'à peur, bien aimé. Mon qui a la foi, pas qu'à nos frères, nos pères, ils ont fait toutes mauvaises nouvelles. Mais bien aimé, nous avons un Dieu tout puissant. Un Dieu incomparable, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est le commandant des commandants bien-aimés. Ça le fait l'autre, mon Dieu, pas qu'à faire, pas qu'à servir, oh mon Dieu, comme ça pour ma peur bien-aimée. Mais péché qui te j'aime sous lit, amen, et n'aime pas qu'à faire rien pour lui-même, il comme pour moi bien-aimé. Josaphat avait cette foi, cette grande foi en Dieu. Lorsque tu as armé, tu es ligué, tu as vu une bataille, avec lui, Josaphat, eh bien, il te choix, il te font l'autre option, l'autre choix. Il dit, si dans le passé, quand nous voyait chercher renfort, ben non, mais roi qui va côté mieux, roi voisin mieux, mais fois ça, m'a cherché renfort au bon côté. Moi, j'ai la foi de mon Dieu, mon carré, gloire mon Dieu. Amen, bien-aimé. Et Josaphat, pour cette raison, il avait pris le chemin de la prière, du jeûne de la prière. Il jeûnait, il priait. Et avant de conclure sa prière, il dit parole ça, yo, qui était dans les annales de l'histoire religieuse, comme parole ou serviteur qui dégaine la foi. Il dit, oh Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. En tant que un roi ou un chef d'État, il te gagne un pic de conseil avec elle. Il te connaît les langages, c'est un fort pour le chercher. Mais dans la foi, il dit le moment ça. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et la foi, le fait qu'on est avec Dieu, lui qui a fait exploit. Amen, bien aimé. Oh, vous-même, vous n'avez pas besoin de écouter moi. Eh bien, à travers Internet, qui te dit, sous d'accord pour vivre honnête avec mon Dieu. Sous d'accord pour prendre mon Dieu au sérieux, ou respecter parole, ou obéir commandement, ou pas besoin, sous fidèle et sous la foi, ou pas besoin de fléau ça, il y a COVID-19 là, il ne peut pas faire rien, parce que mon Dieu est plus grand que lui-même. Amen. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 15, écoutez, pour le monde qui a la foi, alléluia, et qui a marché droit avec bon Dieu fait promesse à Exode le chapitre 15, le verset 26. Exode chapitre 15, le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, le serviteur de Dieu, lui doit en mesure pour écouter avec attention la voix de l'Éternel. Et l'écouter voix, ou pas supposé faire la sourde oreille, ou besoin appliquer sa voix, Dieu fait. Amen, bien-aimé. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, amen. Un peu de fois, nous connaissons la parole demandée pour nous faire, mais pour nous avoir profité de nos circonstances, ou bien une opportunité, nos péchés, nous faisons des choses qui ne passent pas. Nous faisons des choses qui ne passent pas, nous détournons de la parole. Mais voilà que la Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, amen. C'est pour observer les lois de Dieu, c'est pour respecter la parole, mon Dieu, c'est pour appliquer les commandements de la vie, non. Et il dit, laisse-nous remplir toutes conditions, ça y est. Il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Oui. Je dis là, c'est comme si mon yo, c'est d'une manière théorique qui a servi mon Dieu. Je crois dans mon Dieu, mais dans la pratique, il n'y a pas de la foi.
pour yo croire dans mon Dieu, yo troublé pour n'importe bagaille. Alors que le vrai chrétien, mauvaise nouvelle, yo le pape, yo. Car il connaît mon bon Dieu dans le ciel là, qui pour résoudre ça, pour résoudre le problème que le pape a résoudre là, qui pour faire pour lui, ça n'est pas qu'à faire. Il y a mon Dieu qui est bras longs, qui est arrivé, pour des bras pas, il va arriver. Amen. Il y a mon Dieu qui est entré dans la fournaise, pour mettre un petit qui fait volonté de Dieu, et pour mon Dieu fidèle. Amen. Pour mon Dieu, maintenant qui descend dans la force, à bloquer ma choix, pour mettre un petit qui fidèle la victoire. Amen. Dans 70 ans, Daniel a vu en Babylone, il n'a pas quitté les rois babyloniens, influencer la ville. Mais en tant que serviteur, citoyen du royaume de Dieu, il connaît, il doit respecter les lois de son Dieu. Et quel que soit milieu la vivre là, pour que milieu n'a pas influencé. En sociologie, on dit comme ça, l'homme est le produit de son milieu. Mais le chrétien, il n'est pas seulement le produit de son milieu, mais il doit être le produit de son maître. Voyez, c'est ça, maître, il voulait faire, voulait lier, c'est ça pour lier. Amen, bien-aimé. Voyez, c'est le produit de l'Éternel des armées que nous doyons. C'est lui-même qui doit influencer, non. C'est lui-même qui doit diriger la vie, non. C'est lui-même qui doit orienter, non, bien-aimé. Un chrétien Daniel qui est honnête, ou pas j'entendais le nom, non, aucune saleté, non, bagaille qui l'aide du tout. Au point que, eh bien, ses adversaires, ses bourreaux, ils ont cherché une occasion pour accuser lui. Yo, pas qu'à joindre un yé pour reprendre Daniel. Parce que Daniel, pas de vivre selon les droits de Babylone, mais de vivre selon les lois de l'Éternel. Si vous coûtez parole moi, si vous marchez, je me demande où vous marchez là. Ma campé avec vous dans toutes circonstances et ma bonne victoire. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous joignons, malgré vous êtes sorti, vous êtes accusé Daniel, vous n'avez pas joindre rien. Il est allé dans le roi mon Dieu là, c'est vrai, le roi de Dieu. En désaccord avec les lois babyloniennes, mais ça va t'empêcher que mon Dieu montre que Daniel, c'est mon balle, lui pas qu'à livrer. Amen, bien-aimé. Il est tout matin, ou même qu'à coûter, quoi, quel que soit côtoyé dans le monde là, sous ces mon balle, mon Dieu matin, on n'a pas besoin de la vie, ou parce que la Bible le dit, mon pas mon Dieu, yo. Mon Dieu qui est meilleur, ne plaît pas. Amen, bien-aimé. Et pas que microbe qui a influencé au côté de mes mon Dieu. Ni aucun diable qui a retiré le même mon Dieu. Fais mon Dieu confiance. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh Daniel, tu es honnête. Tu es sincère. Tu es droit. Tu es fidèle. Et tu as la foi. Et c'est ainsi que bon Dieu qui honoré la foi de son serviteur à Babylone, loin d'Israël. Mais Daniel, pas loin, bon Dieu là. Bon Dieu qui protégé les balles victoires. Nous pas la carrière, nous c'est vrai. Mais nous pas loin, bon Dieu. Combien mon Dieu croit ça matin? Amen. Nous pas la carrière, nous c'est vrai. Mais nous pas loin, bon Dieu. J'ai bon Dieu sur mon palio. Il dit, il branche cheveux dans la tête, nous connaît. Yon ne pas se tomber si ce n'est pas volonté moi-même qui est dans le ciel là. Amen. Fais mon Dieu confiance, bien-aimé. Pas inquiéter ou pas troubler, pas peur. Parce que mon pas mon Dieu yo, pas qu'à finir mal. Amen. Mon servante, serviteur mon Dieu, yo, la vie yo, pas qu'à finir mal. Parce que la vie yo, c'est dans mes bon Dieu lié. Amen. Je dis non, dans Job, Daniel qui est honnête. Il n'a pas jamais vivre dans le péché, ni faire bagaille qui mal de venger bon Dieu. Bon Dieu était Kimberly. Pendant 70 ans de Babylone, il était marché de succès en succès. Il était si tellement un homme de prière
Bon Dieu te bal l'esprit sel et tout babylonien yo te conscient que Daniel te gagne un esprit supérieur. Les magiciens pas capable d'interpréter songe que roi te fait. C'est Daniel le déjoigne qui t'interprète toute vision, toute songe parce que te gagne un esprit supérieur. L'idée royale vers son Dieu. L'idée remet bon Dieu là et bon Dieu là. Qui bénit de façon spéciale. Amen. Amen. Dans Job, la Bible parle nous de Job qui était un modèle pour les hommes de sa génération. Au point que, bon Dieu t'a dit parole ça, dans Job chapitre 1er, verset 8, bon Dieu carrément témoigné pour Job. Hein? Le dit nous, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Est-ce que nous là, hein? Amen. Hein? On nous dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Vous avez ce témoignage que bon Dieu va être sous serviteur, hein? Son homme qui est intègre, qui doit, pour nous mettre, son est honnête, lui doit, lui craint bon Dieu. Ça veut dire que depuis qu'on ne bagaille pas bon, bon Dieu, pas d'accord avec lui, pas faire. Même soit payé pour le faire, lui pas faire. Amen. Lui craint bon Dieu, ce n'est pas les gens qui craignent bon Dieu. Lui montre bon Dieu dans toutes circonstances. Que monde là, que monde pas là, lui craint bon Dieu, il respecte pour mon Dieu et qu'il n'y a pas à faire. Amen. Amen. Et puis, c'est là qu'il dit comme ça. Et puis Satan carrément, c'est un homme intègre et droit, bien Dieu, c'est le tour de du mal. Satan répond à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Carrément. Ça, Satan assez osé pour le dire, comme ça. Est-ce que c'est sans intérêt que Job a servi craignant? Est-ce qu'on va protéger lui-même maison, lui toute sale gagnée? Ou béni travail, méni, et tout polio couvri pays. Et dit, mais étonne-moi, touché à toute sale gagnée. C'est l'Éternel dit ça, oui. Mais étant ta main touche à toute sa vie, et je suis sûr que la maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Job, bon Dieu te fait Job confiance. Hein? Parce que Job, c'est ton modèle. Parce que Job, t'es droite. Job te fait que bon Dieu content. Bien-aimé, temps fini. Le monde bouleversé, lit tête en bas. On a besoin des hommes et des femmes dans la place qui vous fait qu'elle content. On a besoin des hommes et des femmes dans toute nation yo, qui vous fait qu'elle content et pour être capable de témoigner pour vous. Amen, bien-aimé. Égal, moi, je crois que. Il y a des qualités en tant que monde qui a servi mon Dieu, nous avons besoin de pour nous faire mon Dieu content. Amen. Amen. Et si nous gagnons, moi, je bon Dieu, là, d'accord avec nous. Dans Ézéchiel, chapitre 14, il parle nous encore de trois hommes que bon Dieu t'a fait appel à eux-mêmes, t'es prêts comme modèle, parce que ils t'ont mené une vie qui était droite. Il dit, non, tant pas, il est juste, il est sincère, il est craint bon Dieu, il n'a pas jamais fait bon Dieu fâché. Et bon Dieu dit parole, ça y est, de monde, ça y est. Et je dis encore, dans le temps difficile, ça que nous avons traversé, nous avons besoin de monde comme ça, dans le pays, pour capable intercéder pour la nation, pour demander bon Dieu, pardon. Ézéchiel 14, verset 12, je dis, la parole de l'Éternel me fit adresser ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que je tendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job.
Mais c'est ça, c'était des modèles pour les hommes de génération Yoa. Un modèle ici, il y a trois mondes dans le pays. Il y a sauvé nombre par justice que tu pratiquais. Est-ce que nous là? Amen. Et ça veut dire que on pensait que M. Sayo pas là encore. Dans le moment que bon Dieu a été bâillé à Ézéchiel, révélation ça. Mais il était pris comme des modèles parce que monsieur te fait quelqu'un. Pourtant, il dit, si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais les seuls seraient sauvés et le pays deviendrait désert. Pour montrer que si maintenant, pas qu'il y ait monde dans le pays encore, M. Sayo là, M. Sayo a pas sauvé l'homme, à cause de justice, à cause de droiture, de honnêteté, à cause de tout ça, il a fait du bon devant moi, mon Dieu. Faire ce moyen, si nous dans l'église, nous pas dans l'église pour nous faire bon plaisir, mais nous dans l'église pour nous faire bon Dieu dans le ciel la plaisir. Est-ce que nous là? Amen. Et pour nous faire bon Dieu dans le ciel la plaisir, nous devons être d'accord pour nous marcher selon là-bas, la parole. Amen. Je dis à quel monde qui a déformé la parole là, qui a maintenant fait la parole là, et dans ce sens que vous voulez, vous voulez mettre la parole là comme ça. Mais qui t'aime dire, vous voulez bon Dieu plaisir, et si vous voulez rêver avec bon Dieu, elle va retourner dans la gloire. Il faut marcher, j'en parole, lui demander au pour moi, marcher. C'est ça que fait nous te joindre. Il te dit Josué, lorsque Josué t'a pas remplacé Moïse, le serviteur de Dieu, qui t'est mouru, eh bien, c'est à choisir Josué et dit la parole, ça y est. Dans Josué chapitre 1er, jusqu'au verset 8, lui dit la parole, ça y moi, quoi, nous tous qui l'a maté, on fait effort pour nous faire bon Dieu plaisir. Montre-le fini. D'ailleurs, tout ça nous, ouais, dit dans le monde, c'est vanité, nous, papa, dans le ciel avec un lien qui est dans le monde là. Pour l'air, bon Dieu, des bonnes révélations spéciales. Il dit, tout bagaille, monde, papa, à le ciel, c'est fatal. Ouais, belle machine, belle caille, belle meuble, que mouille la caille, certaines fois, à peu près pour se dire, bon, t'es à pied, on va sale, ceci, cela, etc. Toutes ces facs-là, ça pour un complément de terre, un cyclone, nous, là, on pourrait bagarrer ça, le bloc pour toi. Regarde, depuis ces bagarres, mais quand tu es debout, pas qu'à lancer la combat, c'est facs-là. Et si vous voulez qu'on ne plaisir, pas bataille ou bagaille, capable, parce que le monde passe et ça convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel, éternellement. Dans Josué chapitre 1er, pour que Josué ne pas détourner l'île à droite et à gauche, pour qu'il soit marcher droite, pour qu'il soit capable de les secrets, eh bien, pour qu'il soit capable de réussir, et pour qu'il soit capable de convivre béni. Bon Dieu éternel dit Josué comme ça. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il dit le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec moi. Gardons promesse, gardons parole. Personne ne va camper devant tant que va vivre parce que moi-même, je avec ou même je vais vous. Amen. Bon, maintenant, mais bon, j'ai dit ça pour matin. Nous sommes en lutte avec Satan, le diable, le gonaïde, parce qu'on est si côté dans le diable. Et pendant ma mauvaise de nuit, et puis qui laisse un bon Dieu pour moi, c'est verset ça. Il faut que Jésus pour le verset, il dit, nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire, maman avec vous. Il dit, parce que je m'en avec vous.
Pas bien monde qui caraque la terre parce que m'a tomber en dehors. Amen. On nous besoin quelquefois cette parole de réconfort pour permettre nous camper pour ces bien-aimés. Et puis il dit, continue à dire comme ça. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je suis avec toi comme j'étais à Moïse. Je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai. Hein, ou même qui peut, bon Dieu dit au matin, il pas délaissé, il pas abandonné, pas abandonné. Si maman et papa ont oublié, ont abandonné, mais bon Dieu dans le ciel a dit pas abandonné. Moi et non, c'est vous d'accord pour marcher droit. Amen, bien-aimé. C'est vous d'accord pour faire qu'un bon Dieu content. Et puis il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous t'en es bien aimé? Il dit comme ça, hein? Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, hein, afin que de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche, mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis. Regarde, dernièrement, il y a un bien-aimé qui t'a parlé, qui t'a fait certains commentaires, il dit si chrétien, j'ai utilisé téléphone, et j'ai utilisé Bible comme ça, mon cher, il t'a bien donné dans bon Dieu. Amen, bien-aimé. Si j'en utilise le téléphone, nous te prions comme ça, nous t'as bien loin dans mon Dieu. Si j'en utilise le téléphone, nous te lis la parole de Dieu, nous t'as loin dans mon Dieu. Amen, bien-aimé. Regarde le diable là, pour le faire camper nous dans la route là, empêcher de sanctifier, et empêcher de joindre nous, j'ai besoin de nous, il y a nos téléphones qui empêchent de prier. Certaines fois, empêcher le téléphone qu'on empêche même vivre l'église. Parce que nous commençons une conversation avec Zami. La parole est tellement douce. Les services arrivent et nous ne pouvons pas vivre l'église. Alors quand malade, le téléphone n'est pas trop, il ne peut pas faire rien. Et ça, bon Dieu, qu'on n'y a pas l'obligé. Il est bon Dieu pour le faire qui? Pichore. Et là, bon Dieu te dit, Josué, si vous voulez réussir, c'est pour lire la loi, la Bible là, pas jamais le roi et le bouchou. C'est pour méditer le jour et le nuit. Et c'est ça Daniel qui fait dans Babylone. Daniel t'est marché avec un exemplaire de la parole. Et Daniel, non seulement il est prié dans le nom de prière, mais il est connu la parole. C'est ça fait le fait qu'il connaît la parole. Eh bien, on est dans Babylone parce qu'il a influencé la ville. Et on dit, nous, on sait, on va dire, Daniel était fait qu'il est bon. C'était en tant que citoyen du royaume de Dieu, Daniel était porté avec lui, était déplacé avec la culture du royaume de Dieu. Amen. Qui connaît la culture du royaume de Dieu? Amen. Et qui connaît là? La culture du royaume de Dieu, ce n'est pas l'autre bagage, c'est la sanctification, la sainteté. La Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite. Daniel, de marcher avec sanctification. Et là, dans Babylone, il connaît bon Dieu la saint, il faut le saint tout. Amen. Il n'y a pas qu'à manger bien de sacrifier aux idoles. Il n'y a pas qu'à aller dans le club babylonien. Il n'y a pas qu'à aller dans le disco. Il n'y a pas qu'à aller en ligne dans le théâtre. Parce que c'est un monde qui sanctifié. Et en deuxième, pour ta connaître matin, que on sait monde pas bon Dieu. Et que bagarre ou pas qu'à faire. Amen. Nous avons souhaité que vous fassiez effort matériel pour servir mon Dieu fidèlement, pour que les diables là à chercher les passages nous dans l'administration qui occupe ce terrain et là ça passe dans pas mon Dieu pour le pas faire un.
Et bien, Daniel à Babylone, il y a un succès, c'est pas parce que il y a une méthode spéciale de travail. C'est pas parce que il a utilisé une gestion rationnelle. Il y a un gestionnaire, il écrit le gestionnaire rationnel. Ça veut dire l'offre une gestion rationnelle. Ou capable de réussir dans n'importe quelle administration, parce qu'on ne peut pas pratiquer le gaspillage, ou pas faire vieillir des dépenses, etc., etc. Mais Daniel, pas de fonds gestion rationnelle, mais il est honnête avec bon Dieu là. Il était sérieux, il était sincère, il était loyal, il était fidèle et il était de la foi. Amen. Amen. Et Emilio, pas de café, hein? Rien. Je souhaite que bon Dieu bénisse. Matin, si vous avez un succès, ce n'est pas une méthode de travail qui peut être bon succès tout le bon, mais c'est une relation avec bon Dieu. Nous souhaitons que bon Dieu fasse grâce pour ne pas peur. Covid-19 là, il y a un dit ça. Moi-même, pour l'église, pas besoin de demander pour me faire 4 jours de jeûne. Moi, j'ai fait ça. Et je connais que, quel que soit à côté, je me pourvu. Tout côté, je me passe, je me dis, premièrement, moi, si elle a été vaccinée. Deuxièmement, moi, je dis, moi, je suis un CIR. Amen. C'est donc, là, il y a un que vous avez mis des peuples juifs là. Des gars qui ont fait en Égypte, c'est vrai, ils ont collé avec l'Égypte, mais pas de gain. Si Marie n'a pas monté, si Marie n'a pas descendre. Parce que protection, mon Dieu, est sous peuple là, dans le Gozen. Amen. Vous avez besoin de souffrir de la bon Dieu, ou qu'à parler comme ça. Ou habiter dans le Gozen, pas bon Dieu. Hein? Et pas qu'il y a aucune COVID-19 à fort, hein? Seulement, on peut pas se laver, mais tout le temps, bah ouais. Pour ce travail. Dernièrement, Mathias, WhatsApp, m'a pris. Il a bien aimé ça, l'évangile. Il est malade, il a COVID-19 là. Il dit que, il n'est pas jamais sorti. Il simplement, il fait achat, et puis au côté de la caille, lui. Il n'a pas jamais sorti du tout parce qu'il respectait le confinement de la carrière pour ne pas rencontrer 4 personnes. Mais moi, il y a des gens qui ont des provisions pour lui. Il n'a pas maladie. Oui, ça veut dire que c'est bon Dieu pour couvrir mon ami. Parce que moi, si tellement de la foi, moi, je dis, même si je me précise, je ne vais pas le faire.